Pas de rester là pendant une heure, mais au moins de passer 10 minutes avec nous, histoire de dialoguer, parce que derrière il y a du boulot, parce qu'ils ont mobilisé énormément de choses, ils ont été voir des commerçants, ceci, ils l'ont fait avec le cœur, franchement c'est un geste de bonne volonté, ils l'ont fait avec le cœur, et donc les jeunes qui sont là, bah voilà, c'est pour vous, donc histoire de passer un petit moment, on va attendre des pizzas, ils sont juste là, ils sont à 11h, donc ils arrivent, il y a de la poisson, donc on va attendre. Donc on va faire la distribution, vous allez rentrer dans le bus par l'avant. Donc il y a une personne qui vous donnera un sac. Donc ils vont vous donner un sac, ensuite on va passer là, il y a une bouteille d'eau à récupérer, il y a peut-être une paire de lunettes, si vous n'avez pas de lunettes et que vous êtes souvent sur l'ordinateur, donc il y a une paire de lunettes qui sera offerte par Julien. Voilà, donc il y a la banque alimentaire qui a participé, il y a Carrefour Market de Anzin qui a participé, Transvit qui nous apporte le bus, la communication, un chauffeur et on a le droit à un petit film par Madame Richard, donc il faudra faire mystère et sourire. Ensuite la vie, la maison de quartier de Sabatier, la maison de quartier de Vicouay, donc à Rem, le service jeunesse de la ville, donc Madame Lowe également, Monsieur Besancenot, directeur des résidences universitaires, il faut également remercier parce qu'on les a rencontrés et on a pu mettre cette action en place. Voilà, il y a plein de populaire. Partenaires, le Secours Populaire, le Reste du Cœur, l'Espace Solidarité à Sabatier. Voilà, il y en a plein. Donc on vous a mis une étiquette pour vous expliquer un peu la chose sur chaque couleur. En termes de communication, nous, par rapport à Transville, on voulait vous expliquer que en tant que jeune étudiant, vous avez moins de 25 ans, vous avez le droit à Pass & Go. Donc toute l'information, on va vous la distribuer pour pouvoir faire votre carte et être plus mobile. Pour ne pas avoir de problème après avec les contrôleurs, par exemple, et puis pour être en règle. Est-ce que vous aimez les contrôleurs? Non. Je m'attendais à cette réponse, et ma question c'est pourquoi? Donc il a dit non. Pour les amendes. Hein? Pourquoi ils mettent des amendes? Parce que là, c'est compliqué de dire. Non, c'est parce que vous êtes pas en règle. Ils vont pas mettre une amende si t'as ta carte, t'as ton ticket. Donc si eux, ils sont pas bien, ils sont méchants parce qu'ils font leur travail, on va s'arrêter de travailler. On est d'accord? C'est pour ça qu'on est là,
pour que vous sachiez qu'il y a des choses qui sont faites pour vous. Maintenant, à vous de les faire. On ne vous prendra pas par la main pour le faire. Maintenant, vous êtes responsable, vous êtes adulte, vous savez vous faire à manger tout seul. C'est bien. Vous allez savoir faire une carte tout seul. D'accord. Et les contrôleurs, ils ne sont pas méchants. Communication, Tixi Pass, vous verrez. Alors, vous êtes des étudiants. Il n'y a plus qu'à lire. C'est très simple. On vous remettra un colis, vous redescendez et puis vous voyez le petit rayon là-bas avec les bouteilles d'eau et les lunettes. Il y a des produits pour nettoyer les lunettes aussi, j'ai vu. Merci. D'accord ? Espérons qu'il pleuve pas. Sinon, dans le colis, il y a du shampoing. Pour en prendre une douche. Pas que faire, non ?